Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui les gars on se retrouve vraiment avec du très très lourd. On va parler de la fin de cette saison 8 sur Fortnite et également d'un nouveau mode temporaire de jeu qui arrive dans la prochaine mise à jour donc normalement demain. Mais juste avant comme d'habitude, je tiens à remercier énormément tous ceux qui m'ont ajouté au soutien aux créateurs dans la boutique de Fortnite. Un grand merci à vous les gars, vous êtes vraiment une team de ouf. Ça fait super plaisir de vous avoir. Ceux qui m'ont pas encore ajouté, ben bah n'hésitez pas à m'ajouter et à prendre une carte. D'écran, comme ça vous pouvez me l'envoyer sur un de mes réseaux sociaux et je pourrais vous remercier. C'est vraiment la moindre des choses et ça me ferait super plaisir. Bon, alors les gars, pourquoi est-ce que je parle de la fin de cette saison 8 Il faut savoir qu'Epic Games, dans la nuit, donc très tard, on va dire plutôt hier, mais c'était très tard, ils ont annoncé un nouveau mode de jeu qui est le mode temporaire le sol est en lave. Dans ce mode, ils disent atteignez les hauteurs ou construisez avant que l'île ne soit engloutie sous la lave. Alors bon, on va se dire pourquoi est-ce que ça parle de lave On le sait très bien, il y a un volcan, on voit que la lave elle coule dans ce volcan. Voilà, c'est pas comme si elle avait déjà ses elle est vraiment en train de couler. Alors, moi, ce que je pense, les gars, quand on voit ce mode temporaire, ils nous disent que l'île elle va être engloutie sous la lave. Ça veut dire déjà qu'ils ont programmé le jeu pour pouvoir avoir de la lave en mouvement. Et je pense pas qu'ils s'ennuient à faire ça juste pour un mode temporaire. Bon, attendez, c'est pas tout. Également, le cratère de Dusty Divo. Voilà, il faut savoir que c'est un endroit qui perd énormément d'intérêt depuis très longtemps. Et Epic Games, on le sait très bien, ils aiment bien que les joueurs ils aillent un petit peu partout sur la map. Donc, il y a vraiment fort à parer que Dusty Divo déjà se soit recouvert de lave. Qu'ensuite la lave, je pense qu'elle séchera. Et du coup, bah, il va y avoir de nouvelles constructions dessus. Pourquoi pas une nouvelle ville Voir la rénovation des dépôts. Là, ce serait vraiment pas mal. Alors, encore une fois, si ça, ça devait arriver, je pense qu'il y aurait encore, comme d'habitude, le bâtiment victime à Tilted Tower. J'ai même pas besoin de vous le montrer. Je pense que tout le monde le sait. Le bâtiment victime qui se fait toujours défoncer. Ça, je pense que c'est quasiment sûr et certain. Donc, on l'a très bien vu. Cette saison 8, elle est vraiment basée sur le volcan, les tremblements de terre, la lave. Bon, je pense que vous l'aurez compris. Il va sûrement y avoir de nouvelles modifications. Moi je pense vraiment que ça va être autour de Dusty Divo. Ensuite les gars, c'est pas tout. Voilà, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Il y a un tableau qui est présent sur la map de Fortnite. Regardez-moi ça. On a l'impression qu'il y a eu de l'eau qui a inondé la map et qui a fait sécher la lave du volcan. Alors ça, ça s'est jamais vu encore sur Fortnite. On a vraiment l'impression que cette eau, bah, elle sort bah, de l'océan et qu'elle vient... Engloutir la map. Alors, moi, ça, je pense que c'est sûr à 90% que ça arrive, même 99%. Ce serait une bonne manière. Voilà, la saison 8, il y a de la lave, ça va permettre de modifier un petit peu la map. À la fin de la saison ou au début de la saison 9, pourquoi pas, il va y avoir une inondation qui va sécher la lave, qui va la faire sécher et ça créera encore un nouveau décor. Voilà, comme d'habitude, on le sait très bien, il y a des événements de saison. Je pense que la map qui va commencer à être engloutie par la lave, ça va arriver vers la semaine 8 ou 9, un petit peu avant que le skin arrive. Voilà, on le sait très bien, il y a des skins secrets à chaque saison. Je vous sortirai bientôt une théorie sur. Ce skin, ne vous inquiétez pas. Enfin, bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications et à partager la vidéo à vos potes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!